La liberté, le respect et l'entraide seront extrêmement importants dans mon programme. Je ferai en sorte que les pots de mayonnaise soient plus faciles à ouvrir. Je ferai en sorte que les enfants africains puissent voler dans les magasins hollandais sans se faire attraper. Je vous promets que les chats enceintes seront les animaux les plus mignons du monde. Je rendrai la pratique ou l'observation assidue du catch obligatoire. Les gros chiens et les chiens moyens devront absolument être tenus en laisse sous peine d'une amende de 100 000 euros. L'école sera obligatoire seulement pour les élèves qui le veulent, les autres seront immédiatement embauchés dans des travaux adaptés suite à un questionnaire sur leurs goûts et préférences. Les enfants, adolescents qui manquent constamment de respect à leurs parents seront directement envoyés dans des foyers pour leur rappeler que nos parents pourraient donner leur vie pour nous. Si un élève se fait harceler, agresser ou insulter à l'école, au collège, au lycée ou à l'université ou ailleurs, il doit en parler à son entourage ainsi qu'à son établissement scolaire qui sera dans l'obligation de mener une enquête. Si l'enquête prouve que l'élève disait vrai, la victime aura le droit de mettre trois grosses baffes à ses harceleurs, harceleuses sans ceci n'ait le droit de riposter. Voilà ce que Mentalix proposerait s'il se présentait aux élections présidentielles.